des champignons comme s'il en pleuvait. L'heure de l'automne a sonné et avec elle l'arrivée des cèpes sur les étals. 360 kilos fraîchement cueillis ce matin, nombreux sont les vendeurs à se presser sous la halle pour le premier marché de l'année. Cette grande caisse, là, alors 7,590 kg et la tare 800 grammes, donc ça fait 6,7 kg. Il faut dire qu'en ce début de saison, la pluie des derniers jours a favorisé la pousse de ce produit du terroir périgourdin. Bah, c'est le début, hein. C'est le début. Donc, dans un mois, ils seront moins beaux, mais bon, on en aura encore. On les donnera. Alors, il faut flairer la belle affaire. Un champignon vendu en moyenne 20 euros le kilo, suivant son aspect et son âge. Par exemple, ceci. Ouais, ceci, je vais peut-être les faire 22 euros le kilo. Ceci, ceci, du haut de gamme. C'est du haut de gamme, celui-là. Et moins cher, c'est ceci. 18. Ouais, prix de base, hein, après on verra. Mais ici, tout se négocie. 3,10, je ne trouverai pas d'autres comme ça. Plus d'offres que de demandes pour aujourd'hui, mais les quelques acheteurs croisés ont le sourire. Est-ce que c'est la première fois qu'on vient ? Alors, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison. Hein. Oui, oui. Pas de raison. Là, j'ai trouvé un petit peu petit, mais bon. Ce marché, qui aura lieu tous les jours tant que les champignons pousseront, reste à trouver la bonne recette pour les cuisiner. Et vous pouvez toujours négocier et en fait attendre.